Et Cocoyoté, ben, on est reparti sur Spider-Man Miles Morales. On se voit toujours aujourd'hui? T'as jamais répondu à mon message? Splatfest Zelda sur Splatoon. Désolé, je me suis un peu laissé déborder, mais je suis Force, j'ai ce maintenant. courage. Où ça? C'était quel team qui parlons de gagne la pour le moment? 78e et de West End. 78e. Près du Forum des Sciences? Pourquoi là-bas? Tu verras, sois à l'heure. 78e et West End. On verra bien ce qu'elle a voulu dire. Faut pas que je traîne. C'est quoi là? C'est ma maison? Notre nouvel appartement, ouais, c'est ça. Donc là, attendez. La suite de l'histoire se fait ici. On a des trucs à ramasser sur le chemin. Donc autant y aller. Vas-y, sagesse. Ouais, pourquoi ça m'étonne pas? Pourtant, t'es pas si sage que ça. Hola, mijo. Juste pour te dire que mon food truck préféré sera au rassemblement ce soir. Cherche un logo avec un kebab géant. Ok, merci pour le tuyau. Eh, hey, maman, je voulais te demander, vu que t'es au courant de tout ce qui se passe à Harlem, t'as entendu parler de l'Underground? Oui. Ils n'arrêtent pas de vandaliser les propriétés de Roxxon. Et je crois qu'ils recrutent même les jeunes du quartier. Pourquoi? Ils n'ont pas essayé de te mêler à leurs histoires, j'espère. Non, non. Oncle Aaron m'a déjà prévenu. Ouais, je l'ai croisé à la station de métro près de chez nous. Tu savais qu'il bossait là-bas? Non. Tu sais très bien que je ne veux pas que tu le fréquentes. Mais papa et toi, ma... Ok. Là, on a un défi. N'essaie pas de m'énerver. Mais je sais pas de t'énerver. Je sais pourquoi tu prends la sagesse. Je vois clair dans ton jeu. Mais. C'est pas grave. Va sauver le monde, maman. Un vote à la fois. Je t'ai déjà dit que t'étais mon fils préféré. La concurrence est rude en plus. Bisous. Tu te chutes, mais sur l'appli, un stand de charité qui se fait braquer. Ah. Je ne peux pas ignorer un braquage. Il n'y a plus des touches. Je vais en finir avec toi. Vous n'êtes pas piégé. Et pas un combo. C'est bon. Ensuite. En vrai, j'ai l'impression les gameplays des jeux Spider-Man, ils n'ont pas évolué tant que ça, MDR. En vrai.
Au niveau des bastons et tout, il n'y a pas besoin de faire évoluer vraiment. Après, ça dépend du Spider-Man. Par exemple, là, Miles Morales, il a des pouvoirs électriques. À cause de l'araignée qui l'a piqué, lui. Donc, il y a des combos différents, mais sinon, ouais, c'est pas. Ça fait penser à celui sur Wii. Avec Venom. Le 3 du coup. Salut Mike. Ce défi va te permettre de t'entraîner au lancement. Passe tous les points de contrôle avant la fin du temps. Approche-toi du point de départ pour commencer. Tu vas y arriver. Oh, je suis à fond motivé. C'est parti. Moi je l'avais sur PSP. Ma mère, c'est l'heure. Ok. Si tu réussis bien ton lancement, t'accéléreras à mort. C'est super pratique, surtout quand tu poursuis les pigeons. Enfin, j'imagine, hein. J'ai jamais fait ça. La ref à la quête des pigeons. J'ai entendu parler de ces pigeons. Tu t'en sors comme un chef. On se voit dans le prochain défi. Les pigeons dans le 1, c'était les Korogu de ce jeu. Oh. Salut les amis fans. Ça vous arrive de faire une fixette sur quelque chose? Comme une scène de film, un gros titre que vous avez lu dans le métro, ou le récit d'un rencard désastreux par... Ouais, je retourne regarder Zelda Tears of the Kingdom. Bah moi, genre tu regardes. Sur l'Underground. Qui sont-ils? Que veulent-ils? C'est super frustrant parce que ce sont des questions simples mais auxquelles personne n'arrive à répondre. Vole, agresse, kidnappe et harcèle les gens, s'en prennent aussi bien aux petits commerçants qu'aux crimes organisés. Ils ont de la technologie de pointe et ils en veulent à tout le monde. Je vais continuer à mener l'enquête. Alors, si vous avez des infos, partagez-les. En attendant la prochaine fois, n'oubliez pas, ne videz jamais le marc de café dans votre évier si vous ne voulez pas le toucher. Allez, à plus! Donc là, par contre, j'ai regardé pour être sûr que c'était pas Breath of the Wild. Ou un mode... Ouais, je vois, ouais. Ah, le crime a disparu. Eh ben... Il est rapide pour disparaître. Essence aux dégâts longue portée. C'est quoi la vraie tenue de Miles Morales? Du coup, j'ai vu comment se passe l'inventaire à bas. Et j'ai vu des trucs chelous aussi, je peux pas dire. Je regarde juste à quoi la tenue de Miles Morales correspond, mais normalement c'est celle-là.
Ouais, elle est pas blanche, elle est noire et rouge seulement. Alors, triangulation optique. Lors d'un scan, les ennemis sont marqués à travers les murs. Et le reste si longtemps que le mode furtif est enclenché. Et augmente les chances d'obtenir des munitions de gadget. Gadget. Ça c'est très bien en infiltration, mais ça c'est très bien en combat, quoi. Les trucs qui expliquent pourquoi on voit que trois prodiges et pas certains entraîneurs. J'ai la paralysie. Plus contre les attaques, ok. Ça prend ça. On a piraté un panneau d'affichage avec leur logo. C'est très bizarre. Encore? Je peux pas être tranquille ici. L'underground doit être pas loin s'ils s'en prennent à ce panneau d'affichage. Ça va être sur le toit. Même pas. Où est-ce qu'il pourrait être? Ah, je peux les chercher. J'ai le signal. On se dépêche. Un panneau publicitaire pour intimider les gens, annoncer la sortie de l'Underground, comme dans la pub. Panneau d'affichage. Salut les gars. Je suis retourné look TikTok qui est bien le stream. Ouais non mais c'est totalement et il y a des gens qui regardent beaucoup. ...244 là. Ouais donc c'est rien sur TikTok. Le matin, c'était 1,7K. C'est tellement irrespectueux, en tout cas, de sortir ça maintenant. Le truc, il sort dans une semaine, quoi.
Oh, 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 nous avons notre premier auditeur au bout du fil. Vous êtes à l'antenne avec J. Jonah Jameson. Joyeux Noël, Jonah. J'aimerais connaître votre avis sur l'implantation de Roxxon à Harlem. Ça va créer des emplois ou tuer les petits commerces? Bonne question, chère auditrice. Roxxon Plaza symbolise sans aucun doute la quintessence de l'ingéniosité américaine. De l'énergie. Il se gourre tout le temps, lui. Des technologies de pointe pour Wall Street et des jobs pour les habitants du quartier. 4K de GM. Non, mais c'est horrible. C'est quoi, c'est un américain? Il nous a fallu du temps pour reconstruire. Mais Roxxon s'est montré à la hauteur en investissant des millions dans la création de ce complexe ultra-moderne au sein d'un quartier qui, disons-le franchement, ne respirait pas la santé. Personnellement, je pense que Roxxon Plaza est le plus beau cadeau qu'on pouvait faire aux habitants d'Harlem et de New York. Alors je comprends que certains aient peur du changement, mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Alors faites-moi confiance. Faites... Jared! C'est pas trois sucres, c'est pas un sucre, c'est deux sucres. Voilà. Je commence à être plutôt bon. Bon. Avec tout ce qui apparaît, moi, j'ai pas le temps de faire la quête principale. Anglais, son jeu, donc possible. Ah, il parle pas dessus. Je reste pas, je me fais pas spoiler. Ok. Hé, le mollasson, là-haut. L'escalier de secours est plus qu'il était. Fais gaffe en montant. J'ai eu perso et système de sanctuaire en 2 secondes, alors... Ouais. Je vois. Ok. C'est pour ça que tu voulais me voir ici. J'ai failli partir, t'as mis des plombes. Viens m'aider, c'est coincé. La capsule a connu des jours meilleurs. Est-ce que tu te souviens du code? Ouais, c'est... Attends, c'est... Sérieux? Quand est-ce que vous allez retenir ce code? Je serai pas toujours là pour vous le donner. On se rappellera, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre là-dedans? On peut rien te dire. C'est entre Miles et moi. D'accord, c'est ça. En tout cas, perso, je trouve ça honteux. C'est plus sûr. Eric, tu penses que tu vas accepter ce boulot chez Roxxon? Pour Zelda. Pourquoi? Tu veux le prendre à ma place? Peut-être. J'attends de voir l'offre. Je vois, j'ai de la concurrence. Eh ben, c'est une bonne offre. Ils veulent que je dirige leur groupe énergie propre. Et vous me connaissez. L'énergie propre, ça sauve le monde. J'adore mon fan club de nerd. Oh, quand on parle du loup, c'est Roxxon. Je reviens. T'as bien retenu le code, hein? La suite de Fibonacci. Cool. Honteux. Notre prix. Quand même, notre convertisseur d'énergie était épique. Grave. Tu crois qu'il est toujours exposé au Forum des Sciences? J'espère. Waouh. Regarde-nous. Les têtes de blaireau. Eric a l'air trop cool à côté. Ouais. Y a un problème avec lui? Vous vous êtes disputé? Non. Pas du tout.
Finn. C'est bon, ça va. Pourquoi on s'est perdu de vue? Merde, je suis en retard. Je dois y aller. Hé, j'ai comme l'impression qu'on se cache tous les deux des choses. La prochaine fois qu'on se voit, on se dit tout. Ok? Ouais. Peut-être. Si t'es à l'heure. Bon, bah, à plus tard, Nabo. Je te signale que je suis plus grand que toi. Pas là-dedans. Il va pas lui dire pour speeder. Ah, je sais pas. Après tout, À la fin du collège, j'étais mitigé. Peter, il a Gwen, hein. Finn est allé à Midtown High. Et moi, à Brooklyn. Enfin, pas Gwen, mais... C'est pas Gwen, là-dedans, c'est Mary Jane. Mira Jane. Mary Jane. Ouais, Mira Jane, c'est dans... c'est dans Fairy Tail. Mary Jane. C'est stylé, quand même, un cube comme ça. Je viens d'y penser, mais je peux faire des cubes comme ça en vitrail. Oh là là. Eh ben, j'ai un objectif. Ça m'a fait plaisir de voir Finn. Je devrais retrouver les autres capsules qu'on avait cachées. Mais ça peut attendre. Je dois rentrer pour le meeting de maman. Il faudrait que je trouve un truc à mettre à l'intérieur. J'ai utilisé mon passé limité. Genre, imagine, je fais, je sais pas moi, une Pokéball en vitrail et que je mets un Pokémon à l'intérieur. Genre, j'achète le Pokémon, tout ça, et je mets... Non. Téléphone, check. Carte de métro, check. Du poulet à l'intérieur. T'as pris la clé ? C'est bon, je l'ai. Fais un cube KFC. Dépêche, on va être en retard. Mais ouais. Oh, l'idée de malade. Plein de neige dans ton costume. Au fait, tu le portes ton costume? Ouais, c'est juste au cas où. Mais tout ira bien. Ouais, tout ira bien, bien sûr. C'est ça qui est cool quand tu vis à Harlem. Les marchés éphémères, la meilleure bouffe en ville et la super... Des brocantes. J'avoue que c'est pas mal. J'avoue que ça, ça manque en France, ça. Les petits trucs et les petits festivals comme ça. J'ai toujours connu comme enseignante. Il y en a au Japon, il y en a en Amérique et tout, mais en France, c'est les marchés quoi, mais. Ça rend vachement bien. De rien. Oh. Désolé. Je devrais faire langage des signes avec toi le semestre prochain. Déjà que je maîtrise à peu près l'espagnol. Ah si? Bien m'expliquer? Desde quando? Hola, señor. Oh, chérie. Gloria, salut. Salut, Miles. Voici Steph, ma compagne. Une nouvelle bénévole au FIST. Ravie de te rencontrer. Je suis sûre qu'on se recroisera au refuge. Puisqu'on en parle. Aucune heure pour toi jusqu'à la fin des vacances. Si on n'a pas fermé d'ici là. Comment ça? Ah, t'inquiète pas pour ça. Profite du discours de ta mère. Je te rappelle à la rentrée. Le problème du Fist, c'est que les deux plus grandes figures du Fist sont mortes. Enfin, mortes. Mister Negative, alias Jung, je crois, le créateur du Fist, est en prison. Parce que c'est Mister Negative. Et la tante de Peter est morte, donc bon. Je m'attendais pas à te voir ici. Je vais filer avant que ta mère me voie. C'est qui, lui? Mon ami Ganky. Il me file un coup de main pour mon projet d'araignée. Tu prends soin de mon neveu, d'accord? J'essaye, mais il me donne du fil à retordre. J'entends tout ce que vous dites. Amuse-toi bien au meeting de ta mère. Il a compris tout ça. Les habitants, je t'expliquerai quand on sera rentré. Madame Morales s'en prend également à l'exploitation de l'uniforme, ce nouveau carburant breveté qu'elle juge dangereux et je cite entouré. Mais maman, je passe à la télé. Restons sur les lieux pour couvrir l'événement. Restez avec nous pour un nouveau point.
Je peux pas aller par là. Un tag de l'Underground. Tu crois qu'ils préparent un nouveau coup? Ils réaliseront peut-être que ça sert à rien de lutter contre Spider-Man et ils rentreront chez eux. Si seulement. Hey, t'as réussi à virer le bug dans Speed Nonagon? À chaque fois que j'arrange le code, ça fait foirer quelque chose d'autre. C'est comme dans la vraie vie. Ça sent l'attaque terroriste. Merci, Tim. T'as vu, Roxxon a vraiment installé une surveillance permanente partout, hein? Ouais, c'est clair. Buenas noches, vecinos. Vous vous souvenez de ce que nous avons perdu? Quand les bulldozers ont rasé ce quartier. Hé, est-ce que ça va? Ouais, c'est juste que la dernière fois, on a fait ça, mon père. Où l'on vendait les meilleures crèmes glacées de toute la ville. La garderie Juniperos. T'inquiète pas, mon pote. Ta mère a plein de gens pour la protéger. L'église Sainte-Thérèse et sa chorale. On pouvait entendre et puis, dans toute la rue. Maintenant, t'es Spider-Man. Aujourd'hui, Roxxon fait transiter son carburant expérimental dans toute la ville. Mais il refuse de nous parler des risques. Ce message s'adresse à Roxxon, l'homme pour qui vous travaillez. Simon Trigger est un meurtrier. Cette plaza est un hommage à tous les crimes qu'il a commis. Je ne la laisserai pas ouvrir. L'Underground l'empêchera. On a un problème ici. On est pas reculé. Tu peux pas t'enfuir. Sortez vos armes. Ils ont besoin de toi. Je vais aider ta mère. Là. Forcément, ça lui rappelle les mauvais souvenirs. Vu que son père est mort la dernière fois en plein. Aïe. En plein meeting comme ça. Aïe. Je me fais taper dans tous les sens. Bunky, merci d'avoir aidé ma mère. De rien, mon pote. Vos flingues lumineux, là? Je vais vous les faire couper. C'est le bordel. Où es-tu?
arrive quelque chose pendant que je suis pas là. Hijo, c'est pas comme à l'hôtel de ville. Tout le monde va bien. Reste à l'abri. Entiende? Je reviens bientôt. Et je te laisserai signer mon plâtre. Ok, mami. Nos vamos en casa. Te quiero. Clarone, tout va bien? Je vais bien. J'ai essayé de vous appeler, ta mère et toi. Vous êtes où, là? Je me dirige vers le pont Braithwaite. Il y a eu une explosion. Ok. Mais si Roxxon se pointe, tu décampes, d'accord? Ils vont chercher des coupables après ce qui s'est passé. Et ils vont pas se contenter de Tinkerer. Ok. Je fais attention. Ça m'inquiète, cette explosion. Je dois faire vite. On dirait que Roxxon Plaza, c'était qu'un avant-goût. Ou une diversion. On évite de se tirer dessus, ok? C'est l'uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. Mais c'est une madame. Ok, je vois où ça. Bah ouais, c'est son ami. Débarrassez-vous de lui. Prenez clairement tout ce que vous pouvez emporter. Ah bah voilà. Elle cache même pas que c'est elle. Il a fait sauter le camion. Max, j'ai vu l'explosion. Est-ce que t'es blessé? Ça va, mais salut. C'est une horreur. C'est terrible. Oh mon Dieu. T'es plus aujourd'hui. Seulement, j'avais fait le rapprochement. C'est pas ta faute. J'étais tellement content d'avoir que j'ai été distrait. Il faut que je fasse plus attention. Faut que je pense appuyer sur triangle quand je peux. Pour aller vers les ennemis. Ah, s'il y a que le bus, il peut gérer. Enfin, normalement. Il va évacuer le pont.
Oh, il est super joli le jeu, en vrai. C'est ma faute. Mes pouvoirs, je les fais exploser. Tout le monde va bien. Après l'explosion, le pont s'est mis à... On a le Spider-Man en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien. Bien reçu. Non! Je suis pas votre ennemi. Qu'est-ce que vous faites? Il nous a sauvés! Hé, hey, laissez-le tranquille! Je filme tout! On veut laisser le tranquille! Range-moi ce téléphone! Rangez ce téléphone! Tout de suite! Ne la touchez pas, ce truc! Dégage! Dernier avertissement! Je les ai sauvés! Oh! Il est passé où? Il développe des nouvelles capacités? Roxanne n'est pas censée être là pour nous. Ils allaient me tirer dessus. Ils m'ont même pas écouté. Est-ce que ça va? Je sais pas. Aujourd'hui, je reçois Simon Krieger pour parler de la destruction du pont Braithwaite. Écoutez, je n'ai absolument rien contre le nouveau Spider-Man, mais ça... Comment ça s'appelle? Bioélectricité. Tu veux un petit déj? Elle nous a quand même coûté du matériel de Roxanne. Et elle a détruit un pont. Roxanne, n'importe quoi. C'est pas ce qui s'est passé. C'est fine, Tinkerer. Elle a volé le uniforme. On sait pas pourquoi. Et le pont a explosé à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. Je sors, je vais au QG de campagne. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Je peux prendre du dulce de coco? Je croyais que t'arrêterais après hier. Pourquoi j'arrêterais? J'ai dit que je me battrais pour ma maison. Et je le ferai. T'aurais pu... te faire tuer. Notre famille n'abandonne pas. Tu le sais bien.
Maman ? On veut bien du dulce de coco. Si t'es d'accord. Je suis d'accord. Quand j'ai eu mes pouvoirs, j'ai cru que je pourrais régler tous les problèmes. Que je pourrais faire tout ce que Spider-Man faisait. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon. Et eh ben on a notre nouveau costume, parfait. Eh hey, mon pote, tout part en vrille on dirait hein. Les gens ont besoin de notre araignée sympa du quartier plus que jamais. Jouer aux pistes volées. Ok. Les meilleures applis ont souvent un seul mot. Et j'ai des nouveaux modules et tout. Choc brutal quand les armes de l'ordre grand sont détruites. Hein. Les attaques après une esquive parfaite infligent 50% de dégâts supplémentaires. Je prends. Je prends. Bah oui, bien sûr, on va mettre la tenue glissée par-dessus le costume. Comme ça, ça réduit le champ de recherche des gens pour savoir qui est Spider-Man. Oh, compétence de camouflage. Ça régénère 20% plus vite. Ça veut dire que la jauge de camouflage n'est pas limitée. Permet de stocker un deuxième coup de grâce au minimum de combos nécessaires. Moi je prends. Il y a une cache là. Hop là. Il y a un crime en cours. En vrai, est-ce que c'est comme... l'autre jeu? Non, ça n'a pas l'air. Est-ce que ça comptait les crimes en cours dans les endroits? Là, a priori, ça compte pas.
Juste pour les jetons, les crimes. Il n'y a pas besoin d'être autant pour faire un jeu. Fais tes prières. Alors là, je vais te coincer. Mon temps de réaction, il est tellement horrible. Parfait. Ou un truc moins cucu. Si vous avez encore besoin d'aide, passez par l'appli. Alors, boss, c'est quoi le plan? La famille de Finn a un atelier de réparation dans le centre. C'est là-bas qu'elle faisait tous ses bricolages. Avec un peu de chance, elle y va encore. Ce serait pas plus simple de l'appeler pour lui parler? Franchement, je pense pas. Quand je l'ai vu sur le pont, c'était quelqu'un d'autre. Il faut que je sache pourquoi elle fait tout ça. Ok, fais ce que t'as à faire. Tiens-moi au courant. Ok. Merci, l'Underground. Notre appli araignée sympa du quartier signale une vente d'armes en cours à proximité. Ils tirent sur leurs potes. Il y a déjà des jeux plagiat de Tears of the Kingdom. Sérieux ? Des jeux où genre faut fabriquer tout pour avancer.